Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon numéro 14 qui portera sur l'option texte en CSS. Maintenant que nous avons vu les propriétés margining et padding dans la leçon précédente, nous allons apprendre la propriété texte avec ses différentes options qui sont composées de. Donc vous aurez textAlign qui permettra d'aligner votre texte à droite, à gauche, centré ou justifié. Ensuite, on aura textDécoration qui permettra de décorer votre texte, donc on aura underline. Celui-ci permet de souligner le texte juste en dessous. Ensuite, vous avez Overline. Overline permet de créer une ligne au-dessus du texte. Et pour finir, vous avez Lightflow, qui permet de tirer un trait en plein milieu de votre texte. C'est un peu comme si votre texte était barré. C'est équivalent à la balise Strike. Donc ensuite, vous avez l'option Text Transform, qui permet de transformer votre texte. Capitalize, ce sera la première lettre de chaque mot qui sera en majuscule. Uppercase, toutes les lettres sont en capital. Lowercase, toutes les lettres sont en minuscules. Et si vous souhaitez revenir, mettons, de capitalize à un mode normal, vous mettrez text transform normal. Pour finir, la dernière option que nous allons voir, c'est text indent. Permet d'indenter le texte, donc en pourcent, en pixels ou en EM. Donc là, je vous montrerai un petit exemple dans le site que l'on est en train de construire Poisson pour tous. Pour vous montrer qu'on peut par exemple indenter la balise H3 de 2 EM. Rappelez-vous, 1 EM égale 16 pixels. Voilà, bah sans plus attendre, regardons cela dans ce blind test. Donc nous voici dans ce blind test. Là vous pouvez voir, j'ai fait en sorte d'aligner par exemple le titre Poisson pour tous. Ici vous avez le description du poisson, bah, comme vous pouvez voir j'ai fait un line follow afin de faire un tiré, vous voyez, comme si c'était un trait barré. Mais regardons tout simplement au niveau de l'exemple. Donc ici, on va dans l'exemple, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc comme d'habitude, au niveau du CSS, je vous ai fait différentes bordures. Donc on a bordure 1, bordure 2, bordure 3 et bordure 4. Celles-ci sont composées de différents éléments. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4. Donc la première, bah, la bordure, ça vous connaissez, hein, avec les pixels, tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt le text line right. C'est-à-dire que là, on a bien un alignement à droite. Vous voyez? Si maintenant ici je modifie, admettons, je vais mettre un... Alors, je reprends ici, voilà, je vais marquer simplement left. J'enregistre. Et je sauvegarde. Vous voyez, de suite, le texte a bien été mis à gauche. En dessous, pour le numéro 2, vous avez l'alignement justifié. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un alignement justifié ? C'est tout simplement un alignement qui va prendre en compte l'espacement que vous aurez à droite et à gauche. Imaginons ici, vous enlevez 6 tamètres, ben, il restera, vous voyez, au niveau de la même... on aura le même espacement partout. Il fera en sorte de s'espacer de façon que ça soit homogène. Même si vous avez des espaces plus importants, le but étant qu'il soit bien réparti sur les 4 côtés. Donc en haut, à droite, en bas et à gauche. Donc ensuite ici vous voyez on a bien le texte souligné avec l'option text decoration. Donc si on regarde ici on a un line flow, donc ça veut bien dire que ça barre le contenu en fin de compte. Et regardez si on prend un autre exemple où j'ai mis dans accueil, on regarde ici description du poisson clown, vous voyez j'ai fait en sorte de rayer le poisson. Mais le poisson, il est tout simplement ni, si on regarde ici au niveau de l'index HTML, vous pouvez voir ici qu'on a bien description du poisson clown avec marqué entre deux balises strike. Donc c'est exactement la même chose si on reprend ici au niveau du style CSS que un text decoration line flow. Si maintenant on met ici underline, donc j'enregistre et ici je rafraîchis, vous allez voir une différence, je reviens sur mon exemple, vous voyez maintenant il est bien souligné, un peu comme un lien comme je vous expliquais la dernière fois. Alors si on regarde maintenant la dernière option qui est intéressante, c'est-à-dire la text transform, celle-ci va permettre de mettre, vous voyez, je suis en uppercase, c'est-à-dire que là, je suis en majuscule. Donc tout mon contenu est mis en majuscule. Ce que je peux faire aussi, par exemple, c'est mettre ici un lowercase. Donc là, je vais taper lower, hop, case, j'enregistre, ici je rafraîchis. Et vous voyez, maintenant, tout est en minuscule. On aurait pu mettre aussi un capitalize. Donc ici, pareil, j'enregistre et là, je rafraîchis. Là, vous voyez, maintenant, on a bien, pour chaque début de lettre, au niveau de chaque mot, on a bien à chaque fois une majuscule, vous voyez? Voilà, bon, bah, j'en dirai pas plus, en tout cas, sur cet exemple. Si, le dernier exemple qui est intéressant, donc là, par contre, c'est au niveau de l'accueil, je vous expliquais que j'avais fait en sorte de faire une annotation de 2 EM. Donc, il suffit d'aller voir ici dans le H3.
Et voyez ici, j'ai bien marqué text indent égale 2EM. Donc rappelez-vous, un EM 16 pixels, donc 16 x 2, 32. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette leçon. Comme d'habitude, vous trouverez un petit lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez accéder au contenu de la source, c'est-à-dire tout ce que je vous ai noté, hein, toujours pareil par rapport au poisson pour tous. La prochaine leçon portera donc sur la flottaison avec l'option float, hein, c'est-à-dire comment décaler une image à droite ou à gauche, ainsi que le texte qui suit ou pas. Donc ça, on verra ça pour la prochaine leçon. C'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à me faire des remarques si vous avez des problèmes ou des questions à poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.